Monsieur le ministre de l'Agriculture du Vermont rural, en vous souhaitant la bienvenue parmi nous, je voudrais avoir votre sentiment sur quelques idées que je voudrais partager avec vous. Nous savons que depuis de nombreuses années, la politique globale du gouvernement en matière de production et d'importation de biens est axée sur la formule politique d'import-substitution, qui a été une formule plutôt anglo-saxonne, qui entend privilégier la production locale pour se substituer aux importations. Avec la crise en Europe de l'Est, nous entendons et nous constatons dans de nombreux pays des récriminations sur les risques de crise alimentaire, notamment de blé, dont les principaux protagonistes de cette crise sont les producteurs et exportateurs. Monsieur le ministre, ma réflexion consiste à tenter de partager avec vous l'idée selon laquelle nous ne devrions pas craindre les conséquences de cette crise pour ce qui concerne la sécurité alimentaire. Au regard de cette politique d'import-substitution, ancienne, je le répète, mais qui est revenue au bout du jour ces dernières années, et qui nous interpelle davantage à travailler plus pour assurer en interne notre sécurité alimentaire. Sous ce rapport, doit-on se plaindre de ne plus pouvoir importer à des coûts normaux le blé ? Alors que la valeur nutritive du blé se retrouve dans d'autres céréales, le rapport de la Commission des Affaires étrangères a abondamment rappelé quelles sont les autres céréales qui peuvent apporter les mêmes valeurs nutritives que le blé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vos prédécesseurs, je pense vous-même, dans ce département ministériel, avaient fait de la production et la fabrication du pain à base d'ingrédients produits localement, notamment le pain à base de patates douces, une tentative de substitution au pain à base de blé. Je connais personnellement deux ou trois boulangeries à Douala qui produisent du pain à base de patates douces, qui est très bon. Tant qu'on ne généralise pas ces expériences, qui finalement coûtent moins cher que le pain à base de blé, nous ne mesurons pas les ressources qui sont les nôtres et qui nous permettent d'avoir les mêmes qualités gustatives, les mêmes qualités nutritives pour les produits à base de céréales produites chez nous. Ma deuxième observation, monsieur le ministre, porte sur les stocks de sécurité, notamment de céréales. Le rapport de la Commission des Affaires étrangères nous renseigne abondamment sur les propos que vous avez tenus au sein de cette commission, notamment sur la capacité de stockage de l'office céréalier, qui est de 45 000 tonnes. Le rapport parle de capacité de stockage. Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, au-delà de la capacité théorique de stockage, quels sont les stocks réels
dans ces enceintes de stockage. On peut avoir 45 000 tonnes de capacité, mais n'avoir en réalité que 20 ou 30 000 tonnes. Quels sont les stocks réels? Est-ce que ces stocks réels répondent aux définitions de stocks de sécurité qui constituent des stocks qui permettent de pallier les pénuries pendant un certain nombre de mois définis, de telle sorte que, en cas de pénurie, que les populations continuent d'être servies au même coût, sans subir les affres d'une inflation éventuelle. Pour d'autres biens, on parle plutôt de réserve stratégique. Les deux notions renvoient aux mêmes besoins. Quelles sont nos réserves stratégiques acquises en matière de sécurité alimentaire? Autrement dit, maintenant que la pénurie de blé se bouche à l'horizon, nos stocks, nos réserves stratégiques nous permettent-elles de supporter à l'écoute identique l'approvisionnement du marché pour ces biens? Voilà, monsieur le ministre de l'Agriculture et de Montréal, quelques axes d'échange que j'ai souhaité évoquer avec vous, afin que nous soyons mieux édifiés sur notre politique agricole nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président, de me donner la parole. Monsieur le ministre, je me tiens ici pour m'entretenir avec vous parce que l'expérience mutuelle montre que, membre de la commission des finances et du budget du Sénat, j'ai l'occasion de m'entretenir avec vous seulement à l'occasion de la dépense de la loi des finances. Et là, l'avènement de ce projet de loi me donne l'occasion de vous dire quelque chose que j'observe et que vous observez aussi. Monsieur le ministre, depuis 40 ans et peut-être plus, les plantations à dimension industrielle dans notre pays ont été l'objet soit de très hauts fonctionnaires, soit de bons salariés, soit de gens avec des fortunes heureuses. Nous observons depuis 20 ans déjà, j'ai dit 20 ans, que cette première génération d'agriculteurs, fonctionnaires et salariés, d'abord, une partie a été emportée par la mort publique, une partie n'est plus dans les postes juteux où il faut pour. Une autre partie a connu des conflits divers que je n'évoque pas ici. Parce que la liberté les a quittés. Alors, monsieur le ministre, j'ai en ce qui me concerne visité quelques plantations industrielles que j'avais visitées en autre temps avec leurs promoteurs. Est-on, comme vous le savez, est bien de la forêt, de la savane ou rien du tout. Et vous savez que dans nos familles, les passions que nous, les parents, nous avons toujours du mal à les transférer à nos enfants. Vous pouvez aimer l'agriculture et votre enfant voudra être médecin ou ingénieur dans votre chose que l'agriculture. Au moment où nous entrons en crise alimentaire, ces plantations qui appartiennent certes au domaine du privé, est-ce qu'elles ne peuvent pas être prises en intérêt par le département qui est le cause? Je m'explique. Je connais une plantation qui appartenait à mon oncle. Elle était de 400 hectares. Mon oncle en question ne vit plus. Et ses enfants n'aiment pas la bosse. Ils n'aiment pas la bosse. Comment pouvons-nous faire, maintenant que nous sommes en crise, mes chers collègues, pour que toutes ces plantations, qui
qui sont quand même la richesse de tout le Cameroun, soient prises en main quelque part. Car l'offre finit parce qu'elle existe déjà, il suffit de la réveiller pour qu'elle puisse encore nourrir les Camerounais en produisant soit de l'huile de palme, soit de l'huile de. Bref. Ma question, monsieur le ministre, est tout à fait simple. Quelle est l'attitude de votre département ministériel face à ces investissements du passé qui sont en train de mourir, alors que prise ensemble de ces plantations, je ne veux pas être excessif, peuvent faire des milliers d'hectares de plantations comme ça. En fait, pour être clair avec vous, monsieur le ministre, parce que je vous vois là, et vous savez combien je vous affectionne, parce que je vous vois là, j'aimerais venir à votre bureau le jour où vous m'en donnez, vous me donnez un rendez-vous, pour qu'on parle de trois plantations, dont celle de mon oncle. C'est ce que j'ai voulu vous dire, car il y a beaucoup de plantations qui existent. Et on n'a pas besoin de président. Merci beaucoup, monsieur le président, de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur le président, je vais donner la parole. Les hommages au ministre ici présent. Bon, je réagis par rapport à l'intervention de Maire tout à l'heure, de mon collègue Maire, que je verrai que le ministre nous donne réponse là-dessus. Il a parlé du pain avec la patate. Bon, est-ce que le ministre peut me dire, n'est-ce pas, si le pain avec le manioc n'est pas le même avec la patate? Parce que depuis cette crise, ça a été discuté un peu avec certains boulangers. Beaucoup pensent que le pain avec le manioc est mieux. Mais le problème, monsieur le ministre, la guerre en Ukraine dure longtemps. Ma question va s'adresser
à M. le ministre des Relations extérieures. En fait, c'est une question un peu sur la procédure et sur les principes. Parce que, apparemment, quand nous avons en face de nous, au Sénat, un texte qui a déjà été adopté par les États, dans lesquels le gouvernement s'est déjà engagé, j'aimerais savoir, à ce stade, quelle est la capacité de modification du Parlement et du Sénat. Parce que je pense que la réponse à cette question pourrait nous aider dans l'agencement de dans la problématique que nous pouvons avoir ici. Je voudrais, monsieur le ministre des Relations extérieures, que vous puissiez nous éclairer. Est-ce que à ce niveau, nous pouvons, est-ce que c'est à ce niveau que nous adressons au gouvernement, ou alors il est simplement question ici de donner l'autorisation au gouvernement de ratifier? Je vous remercie. Thank you, Mr. President of the floor. I want to welcome the Minister of Agriculture and Education. I am from Norway's Mental Division Telegram. I admire the bill which has sent the action of the government, which is saying that we have to encourage the local production farming in our agriculture. Mr. Minister, if actually we implement what is there on that bill and encourage our local agriculture to avoid our youths who have been moving out of the country due to dinner pastures. Cameroon has a fertile land that if we produce enough food, it is going to help us to supply food to Chad, Central Africa, Equatorial Guinea, Gabon, and Nigeria who have money. Kenya is leaving because of the policy, because of tourism. They get money in their tourism. Cameroon will have enough money, will have enough help to the youth to concentrate their tourism. If your ministry organizes very well, and the same time people to all the areas, they will produce enough food. Rice. Do well in Cameroon. Mura, North, Wood, the Mental Division, and Timor, Bafo. These places, it will encourage them to have more life. Mr. Minister, I don't know whether you know that Africa Development Bank has been sponsoring rice cultivation in Guyana, the Mental Division, to ISU, and that rice is all going to Nigeria. Because of the road, they are opening the rice, the city. And there is another place in Mental Fire called Ifun. The cultivation of that rice in that area all moved to Nigeria and not come to Cameroon, Mr. Minister. Mr. Minister, I hope about 5 years ago, 5 or 7 years ago, Gabon came to Cameroon and got the city of farms planted. Today, Gabon is supplying great oil in Cameroon. Why can we not intensify the production of palm oil in our country? Now we have scarcity of palm oil in our country. Mr. Minister, I do not also know how you control, how your divisional delegates, regional delegates have been controlled. Because I was in the village in Wum for 2 months, I spent Christmas and New Year in my place. I was unable to meet the divisional delegate of the doctor, who is a man in our division. I am a farmer, Mr. Minister. When I'm not a I'm a farmer. I'm a big farmer in my place. I produce a lot of
parfois, à plus de votre audience, à plus de votre monde. Comme ça, ministre, I think if they are reporting, let the divisions to report to the region divisions will be reporting to the government. Thank you, Mr. Minister. Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, de me donner la parole. Je remercie aussi les sénateurs pour leur mot aimable et encourageant à notre endroit. Le sénateur Flambeau-Réal a évoqué un certain nombre de problèmes. Premièrement, il a posé le problème de la crise en Ukraine et ses répercussions sur la sécurité alimentaire dans le pays. La crise en Ukraine nous interpelle sur deux domaines. Premièrement, sur l'approvisionnement de notre pays en produits fertilisants, c'est-à-dire les engrais et l'urée, dont les prix ont été multipliés par trois. Et l'approvisionnement de notre pays en blé. Et il a proposé comme solution cette politique d'import substitution, qui est une vieille politique adoptée dans notre pays. Pourquoi cette politique ne peut pas nous permettre d'être autosuffisants alimentairement? S'agissant du prix des engrais qui sont quand même des intrants agricoles importants pour la productivité et pour la production. Aujourd'hui, vous comprenez avec nous, le prix des engrais est passé de 220 francs le kilo, aujourd'hui à 580 francs, à la date où nous vous parlons. Dans le sac du lait qui coûtait 19 000, aujourd'hui coûte 35 000. Et nous n'avons pas encore une visibilité sur l'avenir. Nous ne savons pas si ce prix-là va aborder une pente descendante. Mais nous n'avons pas tous les pressions, parce qu'en réalité, ces engrais sont produits essentiellement à partir du gaz. Très souvent, lorsqu'on sort de l'hiver, où la sollicitation du gaz est assez importante, les prix des engrais apportent une pente descendante. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Nous sommes déjà en avril et le prix des engrais est toujours sur une pente montante. Donc, nous sommes inquiets, nous sommes d'autant plus inquiets que ça a posé même le problème de stock des engrais déjà sur le marché. Ces engrais ne sont même pas disponibles sur le marché actuellement. Dieu merci, les agro-industries, les grosses compagnies ont pris des mesures de prévention bien avant, mais en ce qui concerne les petits producteurs qui nous fournissent un produit biologique, un produit alimentaire, le problème reste entier. Et le gouvernement n'a pas de voir dans quelle mesure nous pouvons faire une subvention à la production pour permettre au vivre d'être disponible sur le marché. En ce qui concerne le blé, effectivement, le Cameroun importe 800 000 tonnes de blé chaque année, depuis un certain nombre d'années. 800 000 tonnes de blé, ça représente à peu près 3 kg par habitant par an. Et c'est largement supérieur à la consommation du riz par habitant et par an qui est autour de 23 kg. Donc vous comprenez que la production, la consommation du blé pose un problème vraiment qui sort. Nous ne voyons pas beaucoup plus. Est-ce que les Camerounais ne veulent pas plutôt changer d'habitude alimentaire et revenir sur autre chose? Parce que nous ne comprenons pas comment on peut consommer plus de blé que du riz. Mais néanmoins, comme vous l'avez dit, le Cameroun produit quand même d'autres vivre notre spéculation, produisons suffisamment de plantains. Nous sommes aujourd'hui autour de
7 millions de tonnes de plantain par an, faisant de nous le premier producteur de plantain en Afrique. Maintenant, il faut valoriser cette production et la répartir équitablement sur le territoire national pour peut-être compenser certains manques. Nous corrigeons à peu près 6 millions de tonnes de manioc par an, ce qui est assez suffisant pour la sécurité alimentaire. Nous corrigeons plus de 2 300 000 tonnes de maïs par an et environ 1 million de tonnes de sorgho. Tout cela mis ensemble nous permet quand même, de manière générale, d'assurer entre 75 et 80% de leur sécurité alimentaire. Aujourd'hui, le risque qui plane sur cette production, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est la disponibilité des engrais et des produits phytosanitaires, qui risquent de ramener les rendements de nos cultures à des niveaux où on était il y a 10 ans. Vous avez parlé de l'insertion de la farine dans la fabrication du pain. Effectivement, nous sommes conscients du fait qu'il faille insérer les farines qualifiables issues de produits locaux dans la fabrication. Et nous avons retenu trois principalement le manioc, la banane plantain et la patate douce, pour la simple raison que ces produits ont non seulement beaucoup de matière sèche pour permettre de produire la farine, le manioc a 40% de matière sèche, la banane plantain 25%, la patate douce 40%. Donc, si nous augmentons la production de ces tubercules, nous pouvons disposer suffisamment de farine pour substituer la farine de blé. Mais le problème aujourd'hui, c'est la production de cette farine. Autant nous avons suffisamment de meunier au Cameroun pour écraser 1 million, 2 millions de tonnes de blé, autant nous n'avons pas suffisamment de petites installations dans les bassins de production pour produire la farine de manioc, pour produire la farine de patate douce, pour produire la farine de plantain, pour les chiffres de plantain. En réalité, c'est là où se situe le problème, ce n'est pas un problème de production. Parce que si vous faites un petit calcul avec nous, avec 7 millions de production de manioc, vous avez plus de 2 500 000 tonnes de farine de manioc. Donc le problème ne se situe pas au niveau de la disponibilité, mais le problème se situe au niveau de la transformation de ce manioc-là en farine de bonne qualité pour pouvoir s'incorporer dans la fabrication du pain et des pâtes, parce qu'en réalité, le blé, nous l'utilisons pour faire les pâtes, pour faire du pain, pour faire de la pâtisserie. Donc, la politique d'import-substitution continue son chemin. Nous avons choisi trois axes principaux pour cette politique-là, à savoir développer les cultures de grande consommation classique de coût, établir des ceintures agricoles autour des grandes villes avec le maraîcher et les légumineuses pour contribuer non seulement à la sécurité alimentaire, mais à la sécurité nutritionnelle aussi. Et enfin, transformer davantage nos produits pour pouvoir les substituer aux produits informés et importés. Donc, c'est les trois axes que nous avons retenus. Vous avez posé problème sur la notion de stock de sécurité. Nous avons parlé de l'office céréalier, qui a 44 magasins pour les capacités de stockage de 45 tonnes. Vous avez demandé quel est le stock aujourd'hui, effectivement, à l'office céréalier, du fait des contraintes de trésorerie, n'a pas rempli ces 44 magasins. Aujourd'hui, nous pouvons estimer le stock de sécurité de l'office céréalier entre 10 000 et 15 000 tonnes. Du fait, il manque le fonds de roulement pour acheter les céréales lorsqu'ils sont à un prix abordable. Vous pouvez vous rappeler que l'Office céréalier est un établissement public à caractère social, c'est-à-dire
permet d'acheter les céréales, peut-être plus cher, mais elle vend en période de soutien moins cher pour pouvoir jouer le rôle social de le sien. Ceci permet d'améliorer progressivement sa trésorerie, pour de temps en temps, mais l'État réinjecte de l'argent pour que le fiscalier puisse jouer pleinement son rôle. Aujourd'hui, nous sommes heureux de présenter cette loi devant notre auguste assemblée, parce que, comme on l'a dit dans l'exposé des motifs, à travers cette ratification, nous obtiendrons la mise en place d'un centre de réserve alimentaire pour l'OISA au Cameroun, qui sera financé par l'organisation de la conférence islamique. Et le vice-président a été choisi pour jouer ce rôle de centre de réserve alimentaire au Cameroun. Mais, parallèlement, le vice-président, nous développons dans les coopératives et dans les villages ce que nous appelons les greniers villageois, à travers la politique que nous appelons la politique de l'avantage, c'est-à-dire chaque paysan après la récolte vient déposer 200, 300, 500, on fait un grenier qu'on revend au même paysan lors de la période de soudure. Aujourd'hui, il y a même la mission catholique qui nous a suivis dans ce domaine-là. Il y a des diocèses qui créent aussi des greniers villageois dans leur paroisse. Donc, c'est une notion que nous essayons de développer pour permettre d'avoir effectivement suffisamment de stocks alimentaires pour faire face à des situations de crise ou bien à des situations de manque. Je viens à la question du président Essaouira, qui nous parle de plantation, effectivement.